spéciale est possible, donc à 14h30 pour commencer. Ensuite, on fera une petite pause et il y a les adultes qui joueront le spectacle à 16h30. À la fin du spectacle, les adultes, on boira un coup tous ensemble, si vous êtes encore là. Merci d'être venus et bon spectacle. Aussi un monde peuplé de bêtes monstrueuses et de sorciers malfaisants. Le monde, le côté réel côtoie l'imaginaire, le monde de la fantaisie héroïque. Le monde du conte de fées. Pour illustrer ce propos, ce soir, nous allons parler de Le petit chaperon, une enfant perdue dans la forêt, que l'on oblige à porter des arcailles à sa grand-mère et que le danger est guette. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a du monde. Ça t'arrive d'écouter ton téléphone. Je t'en prie, ce n'est pas le moment. Bah ouais, mais si jamais tu aurais écouté ton téléphone, tu saurais qu'aujourd'hui, c'est pas le petit chat, mais Cendrillon. Oh, ça va, hein? Bon, on en était où? Ben là. Ok, ben on reprend. Oh, faut patience. Bref, Cendrillon, c'est une jeune fille qui est placée de l'horreur. Un père violent, une mère alcoolique, une belle-mère acariale. Peu de gens ont eu à subir un sort pareil. D'ailleurs, ils n'ont pas eu. Oui, monsieur. Tiens. Merci. De rien, mon vieux. Quoi, t'en penses à ce qu'elle en fait? Pauvre gosse. Pauvre gosse. Tout le monde devrait mettre un chapeau. Tout le monde, chapeau. Après des recherches poussées, nous proposons une exclusivité. Cendrillon, sa vie, son œuvre. C'est quoi un œuvre? Thank you.
se renouvelle pas tellement. Je vois toujours de la vitesse. Moi qui rêve de nouvelles aventures. Vous disiez Oui, je dis que votre homme. Ah bah ça, c'est la meilleure. Comment peut-il refuser quelqu'un de ma qualité? Tout ça pour... Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, c'est toi donc. Allez, méchante Sandrine, à vos corps qu'on mange.
tu t'es vu, tu peux plus emmener dans tes robes. Tu vas même avoir ta goule. Hé, j'ai un peu pour les gars. Tiens, prends pas ça. C'est-tu pas bientôt fini, ça? Ben que oui. Vous avez la main du sensé. Donne vite. À l'occasion de l'anniversaire de Monsieur Germain de la mode du Sensé, un grand bal est organisé au château. Toutes les jeunes filles mariées sont invitées. La mode du Sensé, c'est pas rien tout de même. Je vais chercher un mec. C'est pas grave. Tu t'es vu? Il devait avoir le temps. Toutes les jeunes filles, belle, je peux y aller moi aussi. Ça va prendre la pauvre fête. Ils ont pas besoin d'une souillure comme toi? Non, ça tu l'adoras. Les luces, les rideaux, tu feras la lessive, les sols, le jardin. Mais... pas de mais, en boulot. Mais quittez-toi. Mais c'est ta marraine, ma fille. Une fée, il faut pas entendre. Bref, tout d'abord, je vais te confectionner une robe, puis un carrosse, des chevaux, et le tout avec un seul coup de baguette magique. Ton nom? Ouais, bof. Ah là là, les jeunes de maintenant. Bon, par contre, Amy, tout s'arrête. C'est d'arnaque! Bon, au travail. Alors, il me faut une photo, une capsule, un chien et une sandrine en tout cas. Allez, fais une minute après. Y a-t-il point de musique alors? Comment ça se passe ça alors? On devrait bien danser la boulée maintenant. Thank you.
mais non, c'est quand même pour voir ça, hein, c'est pas ma faute, hein. Oh, j'arrive, oh, j'arrive pas. Oh, yes, alors moi. Laissez tomber ce masque de Monsieur Masque. Je suis sûre. Comme vous voulez, hein, moi, je... N'y a-t-il point votre jeune fille ici? Non, il y a qu'une des filles. Je peux essayer moi aussi. Mais dites pour sûr, hein, pour sûr, on va dessiner. Il y a votre côté, votre côté. Oh, je crois que c'est bon. Yeah. Et pour se mouer. Oui, je le veux. Super meilleur.
Ah bah c'est pas comme ça que tu veux voir faire des nouvelles rencontres, hein, je te le dis, hein. Il y a des chances. Oh. Quoi? J'ai rien dit. Non, non. Oh là. Oh. Ben ça y est. Quoi ça y est? Ben coup de foudre. Non tu me charries. Non je te jure quand ses cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que son oreiller ressemble. Bah ouais en même temps je sais pas comment on va la retrouver hein. Remarque elle t'a menti quand elle est partie. J'ai trouvé ça par terre. Je pense que c'est elle non? Ouais. Comment on va la retrouver déjà? Bah, j'ai des potes chez SFR. Oh, bah, c'est cool. Ah, bah, ouais. D'autres filles, non? Ouais, mais il y a d'autres filles. Bah non, je vais pas aller à la base. Oh, c'est mon téléphone. Ah bah. Je crois que t'as trouvé l'heure, hein. Mais si on part tous les deux? Oh oui, moi, de cette baraque. Mais j'ai une chose, on a porté ça. Pardon?
pour fêter ma nomination au poste de shérif de cette ville, j'offre une soirée au salon pour tous les honorables gens de notre communauté. Bien, il va pas se rouler, il n'y a que 45 habitants. Oh, t'exagères, Mama Jane. C'est le geste qui compte. Et puis, qui sait, pourrait peut-être être intéressé par l'une de vous. Il paraît qu'il est très riche. Riche, mais riche comment? Comme vous ne pourrez jamais vous imaginer. Je pourrais danser pour lui, moi aussi. Ah non, n'importe quoi. On a pas envie que tu brises le show. Tu ne crois pas que tu ne vas pas travailler et les clients au serveur, tu crois que ça va se faire tout seul? Mais... Pas de mais, au travail. Je vais manger. Tu seras grand cendrillon.
que je donne dans le cimetière de votre ville. Je vous invite toutes à venir pleurer avec moi samedi prochain. Mais c'est ce soir? Non, arrête pas. N'y va pas, alors c'est mieux. Et moi, je peux y aller? Non, plutôt vite que tu vas y aller, hein. Ne dis pas des choses aussi horribles, voyons. De toute façon, tu n'iras pas sans bilan. Mais pourquoi? Tu n'es pas assez dark. Toi, tu restes. Cendrillon, qu'as-tu? Ma mère ne veut pas que j'aille au cimetière. Pourquoi tant de haine? Oui, je sais, c'est trop cruel. Bon, je vais t'aider. Ah ouais? Oui. Bah, on y va alors. Bah oui, où? Je sais pas, moi, c'est toi la marraine. Ah oui, c'est vrai. Benjamin, etc. Maintenant, les acteurs.
ce soir a été écrit par Emmanuel Romontron. Mise en scène également par Emmanuel Romontron. On voudrait remercier le barbu du film, Yann Romontron. Derrière, nous avons Florence Yuna.